Donc, bienvenue pour la seconde partie de notre séminaire. J'ai mis l'exemplier dans la discussion, so you can find the handout in the discussion for everyone. Et je suis très heureuse d'accueillir Béatrice Bacouche qui va nous parler de le nombre qu'on marquait dans le monde latin des 4e et 5e siècles. Alors, je vous laisse là la parole. Merci. Je vous mets le temps. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier les deux organisatrices de cette séance, Anna Van der Kerschow et Luciana Gabriela Soares Santoprete, qui m'ont chaleureusement accueillie dans ces locaux de l'Institut protestant de théologie de Paris, ainsi que l'ensemble des organisateurs du séminaire pour m'avoir invitée. 4e-5e siècle, vous imaginez bien que dans le temps qui m'est imparti, ça va être beaucoup, car ces deux siècles constituent une période d'une grande effervescence philosophique dans le monde latin, comme en témoignent les textes de Marius Victorinus, dont il a déjà été question, ainsi que des deux commentaires philosophiques latins rédigé dans la même période, fin du 4e, début du 5e siècle, l'un sur le Timée de Platon par Catilius et l'autre sur le Songe de Scipion de Cicéron par Macrobe, qui ont été transmis, ce sont les seuls finalement commentaires philosophiques à avoir été transmis à cette époque dans leur intégralité, bien avant donc Proclus, et ce jusqu'au Moyen-Âge à la Renaissance. Un autre auteur très mineur, Fabonius Ologius, ancien élève d'Augustin, s'est intéressé lui aussi au songe de eschatologie contenu au livre 6 du De Republica de Cicéron. À ces textes, génériquement très spécifiques, il convient d'ajouter les œuvres de jeunesse d'Augustin et en particulier le De Ordine et le De Quantitate Animae, ou le mariage de la mortelle philologie et du dieu Mercure dans une mise en scène unique d'une grande originalité. En fait, c'est un unicum dans la littérature latine, une mise en scène donc aussi brillante et baroque que cryptée, dont nous parlera lors de la prochaine séance de ce séminaire, Jai Bregman. Est-il besoin de rappeler que tout ce qui ressortit au nombre est rapporté à la philosophie de Pythagore, pour qui l'un serait associé au divin à l'intelligible ou au même, pour reprendre une terminologie platonicienne, et le 2 à la dyade, à la matière, au sensible ou à l'autre. C'est à travers le dialogue platonicien du Timée et aussi de la République d'ailleurs que les Romains ont découvert la dimension duelle du monde que la tradition rapportait aux Samiens. On en a pour preuve la traduction de la première partie du texte grec, du dialogue grec sur la cosmogonie, la psychogonie et l'anthropologie, par Cicéron, déjà, et plus tard, à la fin du 4e siècle, la même entreprise de traduction est recommencée par Catilius, qui a sorti, lui, sa version latine d'un commentaire, car, précise-t-il, la reproduction d'un modèle abscons sans les éclaircissements de l'exégèse serait notablement plus obscure que l'original lui-même. Pour ma part, je vais donc parler des nombres et il faut tout de même savoir que les développements qui leur sont consacrés ne s'arrêtent pas dans la littérature latine. Alors, comment je fais là? En fait, s'il y a l'exemple, on peut peut-être se dispenser de pas. Oh, je crois qu'on ne peut pas voir les données. Ce qui vous donnez là, il est pas mal. Oui, c'est ça. Merci. Donc, je vous laisserai lire les textes parce que je les commenterai, mais sans les relire. Donc, je vais parler des nombres, mais en fait, déjà à l'époque, au 1er siècle avant notre ère, Baron parle du nombre 7. Il a écrit d'ailleurs un livre sur les hebdomades, hein, sur justement tout ce qui relève du 7 en arithmologie et en numérologie. On en a le témoignage par Olugène.
Et Saint-Cyrinus aussi, à propos de la gestation, dans son dédié Nathalie, s'occupe particulièrement du nombre 7. Mais nous, nous allons nous occuper du nombre 1, 2 et 3, mais pas plus. Alors, rappelons l'argument du songe de Scipion tout de même, parce que s'il s'agit du jeune Scipion Émilien, à la veille de la troisième guerre punique, qui a devisé jusque tard dans la nuit avec son hôte, le roi Massinissa, qui était un allié inconditionnel des Romains, et qui avait bien connu son grand-père. Et voilà que, quand le jeune homme va se coucher, il rêve, tout naturellement, dirait Freud, à son aïeul, se voyant, le temps d'un songe, emporté dans l'espace d'immortalité qu'occupent dorénavant son père et son grand-père. Je veux parler de la Voie lactée, séjour des bienheureux, des hommes qui, pour Cicéron, ont bien mérité de l'État, comme il va l'apprendre. Il va aussi savoir qu'il est condamné à mourir à l'âge de 56 ans, c'est-à-dire soit 8 fois 7, deux chiffres qui vont faire l'objet de développements spécifiques. Si Macrobe centre son développement sur ces deux chiffres pour expliquer un passage du songe de Scipion lui aussi, et leurs éléments constitutifs, il consacre un long développement systématiquement à chacun des nombres, c'est-à-dire sans le remettre en perspective avec le propos de Cicéron dans le songe de Scipion. À travers ce témoin, je me propose donc d'étudier la dualité ontologique du nombre, ensuite le rapport entre philosophie et nombre dans la tradition platonicienne, et le rapport, puisque c'est un petit peu une dimension de ce séminaire, aux oracles chaldaïques à travers les théologies et poétae de Fabulus. La dualité ontologique du nombre, donc, qui est d'un côté numerus, c'est-à-dire un res sensibilis, hein, même si ce mot n'est pas chez Fabulus, et de l'autre côté, une res intelligibilis. Pour les pythagoriciens, le nombre est le principe de toute chose. Tout s'explique par lui, et même les mouvements célestes obéissent à sa loi. C'est à ce titre que l'arithmétique occupe une place essentielle. Elle est la base sur laquelle se fondent les autres sciences mathématiques, et dans la hiérarchie de ces savoirs, elle est la première pour tous. Alors, voilà la définition. Voilà, ça ira mieux comme ça. Du nombre pour au paragraphe 3 de la disputatio. La première phrase définit le nombre d'une façon qui mérite d'être regardée de près, car elle contient une apparente aporie. D'abord nommée de la manière la plus neutre possible, une res. Comme une chose, donc, la triple caractérisation qui suit, aeterna, intelligibilis, incorrupta, évacue le sens concret de choses, justement, que véhicule le terme latin, en mettant cette res au rang de principe, d'entité en tout cas. Mais le nombre est un principe d'un genre particulier qui enveloppe, complexe tout, et rend compte de tout l'existant, le sensible, sensibus, comme l'intelligible, animi contagioni, c'est-à-dire le cosmos, comme ce qui n'est pas proprement perceptible et atteignable que par l'attention de l'intellect animi. Et la dernière phrase de l'extrait pose les nombres comme la source de la figuration ou de la formation des corps. C'est dans une espèce donc de théologie négative que le nombre est défini comme principe, dépourvu qu'il ait des caractéristiques du sensible, la temporalité, le fait d'être perceptible par les sens et la corruptibilité ici. Si tous les nombres représentent, sont dotés d'une dimension intelligible, la spécificité de la monade, qui va suivre, la monade qui va suivre,
C'est que Fabonius fait d'elle, en fait, un principium. Oui, je vais passer sur le passage que j'ai sauté. Donc, la monade, c'est la singularitas. Dans sa caractérisation, elle aussi négative, in pour les premiers qualificatifs, et puis non. La critique a vu à juste titre, dans cette définition, un doublon de celle du nombre principiel au paragraphe 3. Cette porosité est normale car le 1 est le nombre principiel par excellence. C'est la monade seule qui doit être considérée comme une archée, car elle est seule à être insécable, à ne pas être composée, ni décomposable, du coup, un élément numérique. Effectivement, sont repris dans ces lignes les éléments de la vulgate pythagoricienne relative au nombre. Cela étant, les autres nombres, comme la dyade et la triade, et les autres, sont présentés aussi sous leur aspect intelligible, qu'on le présente sous une forme symbolique, philosophique ou religieuse, et de l'autre, sous leur aspect mathématique, ainsi de la dyade. Voilà ce qu'il est dit de la dyade. C'est à partir de ce nombre donc que le monde est apparu. Vous le voyez dans ces quatre phrases, les deux premières offrent une interprétation philosophique ressortissant à la physique. La dyade est associée à la matière, ulé, et les deux suivantes aux caractéristiques mathématiques du nombre 2 formé de deux unités. Et enfin, la représentation géométrique du nombre 2 comme ligne. Nous y reviendrons tout à l'heure. Sur le plan philosophique, dans cet extrait, donc, la dyade est identifiée à la matière au niveau métaphysique et à la justice au niveau, on va dire, social ou éthique. Notons donc cet emploi de ulé qui est utilisé par Aristote, hein, jamais par Platon, pour désigner la matière, et que Chalcidius reprendra à son compte dans son commentaire en latinisant le terme grec en siloua. Quant au double ablatif mente et materia, il fait difficulté. Peut-il entendre dans ce doublon un sens ontologique? C'est le chapitre sur la triade qui donnera la réponse. L'interprétation du monde comme représentant la triade produit de l'esprit de la matière implique que monade et dyade constituent la substance sous-jacente à l'esprit et à la matière. Le texte fait écho, le texte de Fabonius en fait est très difficile à lire parce qu'on ne sait jamais ce qu'il a compris en fait. Et donc, ce sont les parallèles qu'on trouve en fait avec les autres textes comme Marcellus Capella beaucoup et comme Chalcidius qu'on trouve aussi comme source première de Fabonius. Ce sont souvent les parallèles qui permettent d'éclairer en fait le texte de Fabonius. Et on trouve chez Marcellus Capella au paragraphe 703 du livre 7 une idée en fait proche de celle de Fabonius. Mais dans une autre structure, dans une autre hiérarchie ontologique. On a chez Marcellus, vous le voyez, le dieu créateur, la matière génératrice et les formes. On va voir avec la triade, ce qu'on va avoir comme dernier élément en fait de la hiérarchie. Donc je vous laisse lire ce texte et je le commente. Dans ce passage, les qualités numérologiques du 3
sont très brièvement évoquées en lien direct avec le paragraphe où il était dit que le 2 n'était pas encore un nombre, car il n'avait qu'un début et une fin. Incomplétude à laquelle il est remédié de façon allusive pour le 3, dont Fabonius dit simplement qu'il a aussi un milieu. Quod habet etiam medium. C'est le monde qui advient dans son lien avec le troisième élément du trio ontologique. On a donc en premier le principe, principium, ensuite la matière, et en dernier le monde. Une fois de plus, on a quelque chose qui fait écho à ce qu'on avait vu à l'instant donné à lire en fait un petit peu avant. Formulé en d'autres termes, on a la même hiérarchie que nous trouvions chez Marcianus. Et Aristote, déjà, donc on n'a rien de nouveau, on a vraiment une tradition qu'on trouve en pointillé, en fait, hein, de façon tardive et dans les textes latins, de cette tradition qui remontait à Aristote, attribuant déjà formellement aux Pythagoriciens, dans le Décaélo, la doctrine de la perfection du monde liée au nombre 3, à la triade. Et le schéma ternaire de Fabonius, Dieu, la matière et les formes, si on veut extrapoler le tertium quid qu'on a ici, s'inscrit nettement dans une tradition philosophique de l'Antiquité tardive marquée par le médio platoniste. Mon deuxième point va nous permettre d'aborder le lien entre philosophie et mathématiques et le rapport, bien entendu, à la tradition platonicienne, parce que tout ce qui relève des développements sur les nombres, il vient de Nicomaque de Gerasa, de Théon de Smyrne au début de notre ère et les autres, sont ramenés en fait à des textes antérieurs au Timée, Timée étant l'un des derniers textes écrits par Platon, mais tout un système de pensée qui trouve sa forme la plus achevée dans le Timée. Et donc, le texte qui est le plus important, c'est le texte que je vous propose à la lecture ici, extrait du Timée 34bc. Effectivement, les développements arithmologiques dans le monde grec comme latin sont originellement liés, je le répète, à la construction numérique de l'âme. Après avoir unifié le mélange du même, de l'autre et de la substance, écrit Platon, issue elle-même du même et de l'autre, le démiurge procède au découpage des nombres sept nombres, le 1, le 2, le 3, le 4, le 9, le 8 et le 27. Ces nombres fondamentaux se sont trouvés liés dans la tradition en lien direct ou indirect avec ce passage de Platon, avec des schémas, soit des schémas en ligne, soit des schémas sur les deux côtés d'un triangle, comme celui-ci, c'est un dessin qui est dû à Jean-Baptiste Guillaumin, qui montre donc le 1 au sommet de ce triangle, à gauche les doubles et à droite les triples. Et chacun de ces nombres est associé le 1 au point, insécable comme le 1, le 2 à un segment de droite, le 3 avec une droite qui a un début, un milieu, une fin, le 4 et le 9 à des figures planes, le 8 et le 27 à des figures, les solides, les cubes,
dans les deux cas. Donc, vous voyez que on a on voit que le nombre est chevillé à la structure même de l'âme du monde, qui est aussi liée aux différentes figures géométriques. Et en fait, dans le platonisme, l'échelle numérique propre à l'arithmétique s'inscrit dans une progression noétique. Elle n'est pas là que pour éclairer le texte. Cette progression noétique devait permettre peu à peu à la raison de se déprendre du sensi par la saisie du rationnel. Et le moyen de se déprendre du sensible avait pour médium justement le nombre. On n'avait pas l'apprentissage des mathématiques hors sol, comme dirait aujourd'hui. Cet apprentissage s'inscrivait dans un cursus d'études qui avait un but très précis. On ne le sent pas trop, ce but, à lire Favonius. En revanche, dès le milieu du second siècle de notre ère, Alcinoos insiste sur la finalité justement de l'étude des nombres. Dans son Didascalikos, qui date donc du milieu du premier siècle, cet auteur grec offre, pour reprendre les mots de son éditeur aux belles lettres, John Voitaker, un exposé concis et systématique des doctrines platoniciennes. D'où son choix traductionnel, toujours à Voitaker, de Didascalikos par enseignement des doctrines de Platon. Dans ce texte, deux passages du chapitre 7 nous intéressent particulièrement. Voici le premier. C'est la présentation de la mathématique. Et donc, vous voyez que la mathématique a un but très précis, c'est aiguiser l'âme. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice superficiel et sûrement pas d'un exercice de comptage. Il s'agit d'aller du sensible à l'intelligible parce que le nombre est un médium. Et parce que le nombre, en fait, a ces deux facettes, sensible et intelligible. Et Alcinoos d'insister vous voyez qu'en deux endroits de ce chapitre 7, il insiste sur l'utilisation de mathématiques comme outil pour donner à l'âme la précision nécessaire à l'examen des réalités, c'est-à-dire des réalités ta en ta, dans la ligne de trois du texte grec. Et donc, c'est l'étude des nombres, mais des nombres monadiades et triades, et pas un, deux, trois simplement, hein, qui donne accès à la voie qui monte vers l'être dans une reprise d'un passage de la République. Donc, cette finalité quasiment métaphysique de l'arithmétique paraît totalement inconnue de Favonius si l'on en croit ses commentaires pour chacun des nombres ou entités de 1 à 9. En fait, c'était des sortes de doxographies que tout le monde avait un peu à disposition et on retrouve un petit peu les mêmes éléments d'un texte à l'autre. À une époque où il était question de voir quelles étaient les sources possibles, les chercheurs mettaient d'un côté les textes latins et de l'autre les équivalents grecs qui pouvaient être les sources, mais en réalité c'était un pot commun de savoir autour des nombres. Voilà. Dans le passage du Timée dont il a été question, donc c'est le nombre qui sert à rendre compte de la structure numériquement complexe de l'âme du monde.
Alors, au début du paragraphe 5, Favonius paraît déplacer le curseur, ou plutôt renverser cette perspective, l'âme n'étant convoquée que pour illustrer les spécificités de la monade. Donc, on voit bien qu'il n'a rien compris, en fait, entre le rapport entre les nombres et l'âme. En revanche, ce que j'ai mis en gras me paraît, je me trompe peut-être en fait, renvoyer au passage du kiné sur la composition numérique de l'âme, les nombres pouvant peut-être être interprétés ici à travers les minutae importiones et leur lien coeruntibus, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les premiers doubles et les premiers triples, c'était simplement le départ de la démonstration arithmétique, parce qu'entre ces nombres, après, Platon intercalait des nombres, des rapports, en fait, des nombres proportionnels, et égaux soit à la moyenne harmonique, soit à la moyenne arithmétique. Donc, il y avait une complexité, en fait, arithmétique que les lecteurs ou les auditeurs qui n'étaient pas versés, en fait, dans les sciences ne pouvaient pas comprendre. Et c'est ce qui explique aussi les textes préparatoires, les textes propédeutiques à la lecture de Platon qui consistaient dans des sortes de compendiums où on avait tout ce qu'il fallait savoir pour comprendre le kiné. Et donc ce petit passage du paragraphe 5 qui est peut-être discutable mais qui me paraît pourrait renvoyer au passage du kiné. Alors, le caractère fondamentalement intelligible de la monade, affirmé après bien d'autres par Favonius, conduit, vous le voyez, dans ce passage deuxième passage du paragraphe 5, à passer du nombre à ses fonctions en lien avec le divin. Nous reconnaissons dans la première phrase une nouvelle fois la profession de foi pythagoricienne qui fait de l'un l'être même, l'être suprême par excellence. Le verbe acquidit est vraisemblablement un souvenir des noces de Marcianus Capella qui, en 1731, l'utilise avec le sens de être inhérent à. Donc, pas du tout le sens qu'on connaît à ce verbe en général. En tant que premier des êtres, la monade est tout naturellement associée, mais surtout ici, identifiée à la suite de Xénocrate, à l'âme et à Dieu. Mettant en fait les deux au même niveau ontologique, alors que c'est pas tout à fait ça dans la tradition platonicienne. Mais Favonius va plus loin. À travers cette égalité ontologique entre l'âme et Dieu, que sous-tend le passage, c'est l'ontologie de la monade qui est mise en avant au plus haut de la hiérarchie de l'être. Passons à la troisième partie. Sur les théologies et poétae associées aux oracles chaldaïques. Sur le plan intelligible, la Diade est ainsi présentée au paragraphe 6. Favonius aborde ici un autre volet de l'interprétation. Il aborde cette interprétation sous deux rapports, celui des théologiens, qu'on a choisi de traduire de traduire par théologien dans l'édition de Favonius qui vient de sortir,
Et nous, c'est-à-dire mes collègues et moi, hein, je ne parle pas de moi la première personne du pluriel. Et les théologiens d'un côté et les poètes de l'autre. Alors, voyons donc ce que disent les théologiens. La première interprétation ressortissant au domaine de l'intelligible constitue un quasi unicum dans la littérature latine. Le « de » est ici, selon les théologiens, interprété comme le second mouvement, le premier mouvement étant un mouvement stable et en repos dans la monade, et le second mouvement est celui qui tend, pour ainsi dire, au dehors, pour passer dans la dyade. Cette interprétation a posé problème et a suscité des analyses différentes de Pierre Hadot. Ce qui est intéressant en rapport d'abord avec Marius Victorinus, dont on a entendu parler tout à l'heure, c'est que Pierre Hadot est le seul à avoir mis cette première phrase de Favonius en rapport avec l'adversum arium de Marius Victorinus qui parle du même mouvement, alors non, je ne l'ai pas mis, du même mouvement qui d'immobile et intérieur qu'il est dans la monade se tourne vers l'extérieur dans la dyade. On a la même idée chez Favonius. Donc l'interprétation chez les deux auteurs est tout à fait originale et l'origine, en tous les cas, reste obscure. Qu'en est-il des poètes ? La dyade, pour eux, renvoie au mariage ou à la première union des deux divinités au sommet du panthéon latin, Jupiter et Juno. Juno qui est unie à l'un, à Jupiter, vous le voyez, dernière ligne du texte latin, uni, iovi, dans une sorte de jeu étymologique. On a donc, comme le lit assez explicitement Favonius, 1 plus 1. Cette union est déclinée autrement chez d'autres auteurs, comme Macrobe, par exemple, qui lui pointe non pas l'égalité ici prônée par Favonius, mais une inégalité entre Jupiter ou Zeus, qui est associé au ciel, tandis que Juno l'est à l'air, dans un jeu de mots sur la paronomie de son équivalent grec, Héra d'un côté, Aer de l'autre. Donc, une fois de plus, on voit que Favonius paraît réutiliser des lieux communs de l'exégèse mythique en les modifiant peut-être pour les ramener au symbole, pour les faire coïncider avec des symboles numériques. Allons plus loin. Implicitement, le poète, puisqu'il est question des poètes, qui a évoqué ce mariage céleste, c'est Virgile, au livre 1 de l'Énéide, où nous pouvons lire, j'en lis la traduction en français, « Et moi, c'est Junon qui parle, et nous sommes en Énéide 1, 46 suivant. » Et moi, donc, dit Juno, majestueuse reine des dieux, sœur et épouse de Jupiter, je suis en guerre contre une seule nation et depuis tant d'années. Sœur et épouse de Jupiter. La dimension physique généralement attribuée à ces deux divinités est infléchie chez Favonius dans un sens numérologique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un auteur comme Servius, alors je n'ai pas, pour préparer cette communication, je ne suis pas allée voir ce que Servius disait
comment il commentait en fait ces vers du livre 1. Ça serait intéressant de le savoir parce que, à propos du nombre 9, du dernier nombre en fait, hein, de la décade, qui est en fait à proprement parler appelé décade parce que tous les auteurs disent que le 10 en fait c'est un nouveau 1 puisqu'on recommence le compute à partir du 10, on a le 11, etc. Donc, il se peut fort bien, mais ça c'est à vérifier, que Servius ait approfondi cette caractérisation de Junon par elle-même en tant que sœur et épouse de Jupiter. De toute façon, à ce niveau de notre explication, je pense que Favonius réutilise une matière herméneutique qu'il connaît plus ou moins bien en la remodelant pour la faire coïncider avec l'orientation de son commentaire. Mais à propos du nombre 9, alors, du coup, la traduction est un peu coupée à la fin. Au paragraphe 19, les remarques arithmétiques d'un nombre égal au carré du premier tout, effectivement, hein, 9 c'est 3 fois 3, sont rapides. Le plus gros du paragraphe consacré au 9 porte sur une exégèse de Virgile. Je vous laisse la lire et on voit qu'ici, on a un petit peu comme au paragraphe précédent, mais beaucoup plus développé, une approche philosophique, Platonica Sapientia, pardon, religieuse ou métaphysique mystique, et une approche poétique, Poetica Libertate. Ce passage de la disputature dont la brièveté le dispute à l'obscurité a généré nombre de remarques et a souvent conduit les éditeurs qui ne comprenaient pas le texte à le corriger. Pour expliquer la formule de Cicéron « Novem tibi orbibus connexa spontania », rappelons que c'est le père ou le grand-père qui parle à Scipion Émilien, tout est connecté par 9 orbes. Favonius recourt donc à un vers de l'Éméide qu'il a tronqué et qui évoquait les âmes qui se sont données la mort. Alors, c'est première, deuxième ligne. Le début du. Si on traduit tout le vers, la traduction en est celle-ci. L'ordre des dieux s'y oppose, c'est-à-dire s'oppose au suicide. Le triste Pallus qu'on ne saurait aimer les nids et le Styx les enferme 9 fois. C'est ce qu'on a. Et ils associent le Styx et ses 9 replis à ce qu'il appelle l'anima fontana. Donc nous sommes dans un texte d'une grande obscurité, on va dire. Mais les vers virgiliens sur les méandres du Styx se trouvent dorénavant détachés, et certainement avant Favonius, de leur contexte immédiat. C'est ainsi, par exemple, que pour le commentateur Servius, en fait, c'est la même époque, hein, les méandres du fleuve infernal coïncident avec les 9 cercles célestes des fixes à la terre et tiennent enfermées les âmes qui sont encore prisonnières de leur passion. En réduisant la citation à la fin du vers 439, car c'est là que réside la mention du neuf qui l'intéresse, Favonius s'éloigne de la signification première du vers virgilien et propose une approche légèrement différente, signalant d'emblée le triple niveau de lecture de l'hémistiche virgilienne.
Le développement juxtapose en effet des éléments d'inspiration platonicienne et d'interprétation allégorique, dont certains motifs ressortissent vraisemblablement à la Mysteriosophia Orphica, comme les caractérise Chiara Tomasi. Et dans ce passage, on a une petite incise au milieu du texte latin, velut in curru aurigam, qui fait signe vers le passage du Timée, où il est question de la fabrication des âmes humaines par non pas par le démiurge, mais par les dieux de deuxième génération, qui les envoie ensuite chacune dans une étoile, et qui les envoie placer os es okema, comme dit le grec, qu'on voit ici traduit en fait assez velut in curru. Rappelons que on a une réutilisation des résidus du premier mélange qui a servi à fabriquer l'âme du monde pour fabriquer les âmes humaines. Et donc, ce sont ces âmes humaines qui sont initialement placées dans des étoiles, qui s'incarnent en descendant à travers toutes, parce que ça, c'est bien entendu une exégèse et une extrapolation au texte grec, hein, à travers, donc l'âme descend à travers les différentes planètes, et après la mort du corps, elle se libère, et si elle a sa pureté le permet, elle remonte à son lieu d'origine. On a bien entendu un texte de Porphyre sur l'entre des nymphes qui, justement, commentant des vers de l'Odyssée, une dizaine de vers de l'Odyssée, renvoie à ce regressus de l'âme vers ce qui est divin. Ces différentes strates herméneutiques permettent donc de voir dans le Styx l'âme du monde, du Timée, mais aussi à travers les nymphes naïades de l'Odyssée, interprétées selon une perspective néoplatonicienne, les âmes individuelles. Dans notre texte, le Styx du vers Vigilien est tout aussi fermement identifié par Favonius à l'anima fontana, à l'âme source. C'est un effet, dit Favonius, au-dessous du Père, et c'est là qu'on a vraiment un écho très, très fidèle, en fait, de certains fragments des oracles chaldaïques. C'est au-dessous du Père suprême que le Styx, coulant à travers les neuf orbites planétaires, distribue à chacune d'elles la substance vitale, vitae substantia. Et c'est encore lui qui maintient ses orbites séparées. Alors là, on a une image qui était encore d'une grande complexité, ce quod ex natura sunt iulca. Iulca, c'est la béance naturelle des cercles qui est représentée en réalité par la figure de la spirale. Ce ne sont pas des cercles qui sont refermés sur eux-mêmes, ce sont des cercles qui s'enchaînent les uns aux autres pour former une spirale, et qui a été associée dans la tradition platonicienne à la même image dans le Timée 39 à 5 et 6. Dans la représentation de Favonius, le terme et l'image qui lui est associée concernent donc des orbites planétaires toutes différentes en grandeur les unes des autres. Enfin, dans les réinterprétations platoniciennes des oracles chaldaïques,
Alors, je crois qu'on en a, qu'on a secundum. Alors, je ne le retrouve pas dans le texte latin. On devrait avoir selon, selon les mystères de Platon aussi, cette fontana virgo qui n'est autre que la Styx Pegaea, qu'on a la ligne 4 du latin, est associée à Hécate, qui est elle-même issue du père. Alors Hécate, bien entendu, elle n'est pas nommée ici, mais elle est qualifiée ailleurs de Pégée, Psychote, la source des âmes, ce qui l'assimile donc à l'âme du monde, mais dans un contexte chaldaïque. Car au fragment 53 des oracles chaldaïques, elle se situe après les pensées du Père. Quant au terme du sumus pater qu'utilise Favonius, cette terminologie rare ne ressortait absolument pas au lexique platonicien, mais sert bien plutôt à désigner, une fois de plus, la plus haute puissance de la triade dans les oracles chaldaïques, l'être suprême. Ce Père suprême, dans une rapide évocation anthropomorphisée, alors on a ses pieds, hein, on a sub pedipus, mais je ne le vois pas. Trône à majesté, solitaire, et se trouve composé de feu pur que l'on peut associer à l'éther. Donc on a, vous le voyez, des passages, alors de façon à peine effleurée peut-être au paragraphe sur la dyade, mais dans ce paragraphe 19 plus développé, des références aux oracles chaldaïques, aux oracles chaldaïques. Le sumus pater pouvant renvoyer au fragment 18 de l'édition des places dans le groupe, enfin par la où on trouve la périphrase hypercosmos patricos. Donc on a on a des échos, des oracles chaldaïques indéniablement dans ce petit texte, dans ce bref, dans cette brève disputatio. Si Marcianus Victorinus, dans l'Adversus Arbium, que Pierre Hadot avait mis en relation avec un extrait de Marius Victorinus, attribue au père l'action de dispenser la vie, Favonius, lui, l'attribue à la seule âme et l'attribue, en fait, par extension, à la monade. Donc, vous voyez que Favonius tire, en fait, tous les fils interprétatifs qu'il a à sa disposition pour les faire entrer dans une interprétation liée au nom, alors qu'on est dans des exégèses, en fait, qui dépassent largement ces premiers maillons qui permettent à l'âme de se libérer, comme il a été dit tout à l'heure, du sensible. Pour conclure sur l'ensemble de ces questions liées à la citation virgilienne sur le Styx, il n'est guère étonnant que Favonius se réfère au livre 6 de l'Énéide, fortement articulé autour de la double thématique religieuse, philosophique et eschatologique, de la descente des nés aux enfers et du devenir de l'homme après la mort. Ce texte devint, selon les mots de Courcelles, le texte le plus célèbre qui fournissait aux générations de la Rome impériale une manière, de se représenter l'outre-tombe. Le passage de la Disputatio témoigne ainsi des lectures allégoriques de l'Énéide auxquels se combinent des éléments de nature magique et du rôle oraculaire revêtu par le poète.
Le texte de Favonius laisse donc deviner un environnement épistémologique, philosophique et eschatologique à la fois riche et complexe, marqué non seulement par la tradition pythagorico-platonicienne, mais aussi par les oracles chaldéens. Il est indéniable qu'il y a ici des parallèles nets avec des textes de même époque, comme ceux de Marcianus Capella ou de Macrobe, même si la question des sources de Favonius, dont bien entendu les éditeurs que se sont posés la question, ne peut être résolue. En conclusion, je dirais qu'avec les nombres, nous sommes passés d'une ontologie binaire, hein, puisqu'ils sont sensibles à partir du 2 et intelligibles, alors que le 1 est intelligible et est le principe par excellence, à une hiérarchie ternaire sous l'influence vraisemblablement des oracles chaldaïques, mais pas seulement en fait. Hein, dans le médioplatonisme, la hiérarchie ontologique ternaire se retrouve dans le commentaire, par exemple, de Calcidius. Dans les pages auxquelles nous nous sommes aujourd'hui intéressés, Favonius paraît grappiller des éléments de commentaire ici et là pour étayer son texte, mais d'une façon pas toujours convaincante. La finalité du texte source, le songe de Scipion, n'est jamais interrogée, en fait. Tout se passe comme si Favonius insérait des sortes de pavés exégétiques comme autant de passages autosuffisants. Donc, on n'a pas de mise en perspective en fait, de ce commentaire par rapport à ce qui en fait l'intérêt, par exemple, chez un Macrobe, hein, donner des leçons de philosophie et en particulier s'agissant de métaphysique et surtout du devenir de l'âme après la mort. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais faire le partage. Voilà. Et si vous avez des questions, alors je vais. Je peux arrêter les mains pour voir le micro. Oui. Any question? Quelques questions? Sur cet exposé qui nous déplace juste au moment du côté des noms, parce qu'on n'avait pas encore ça nous déplace un petit peu dans notre thématique. Ça a réussi énormément. Et sur le côté métaplatonicien qu'on n'avait pas encore abordé, on n'avait pas eu de confirmation sur ces sources-là. Oui, mais ce texte est particulièrement intéressant, le paragraphe 19. Absolument, ouais. Il est très, très riche. Il a été question tout à l'heure. Là, Maurizio Troiano parlait des ouvrages de Francisco García Bazán, oui. qui a publié des textes gnostiques grecs, latins et tout ça. Vous connaissez ces travaux? Oui. Ça vaudrait le coup de voir s'il y a des peut-être ce passage ou autre chose de cette époque. Je ne sais pas s'il va jusqu'à là, parce qu'il a fait un article sur le nombre chez Pythagore et chez les gnostiques. Oui. Mais je ne pense pas qu'il s'aventure tout le texte latin en tout cas. Oui, d'accord. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Peut-être c'est parce que moi j'ai cherché cette chose-là. Je pense qu'il reste. Mais c'est des textes, moi je me demandais à quel point on les étudie assez souvent avec ces sources de des oracles chaldaïques. Dans ce texte-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà exploité On le découvre maintenant que les commentaires de Servius commencent à apparaître dans les éditions bilingues avec des commentaires excessivement développés, en fait.
D'accord. Et là, on voit bien, on peut établir des parallèles facilement. Tant qu'on n'a pas accès aux textes ou qu'on les avait en particulier oui. Pour Servius dans une vieille édition monolingue, oui, je comprends. Ça ne donne pas envie de chercher quoi. Et ça va bien les sortir en belle lettre. Oui, oui, oui. Ah, mais d'accord, j'aime pas. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, ça va. Oui, oui, surtout pour le livre 7 hein, oui, oui. De l'Énide. Oui, tout à fait. C'est pour l'association aussi avec la mythologie, ça c'est autre chose que vous avez mentionné, on aura une intervention là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pour notre événement sur cette question. Oui, oui. C'est tout qui est dans cette association avec les principes et les entités mythiques. Oui. Mmh. Ben là aussi, c'est d'abord Virgile. Mmh. Et on voit en fait que les Romains étaient. Connaissaient bien déjà le Timée, c'était vraiment, alors que c'est un des textes les plus difficiles de Platon, ils l'ont traduit, donc c'est qu'ils le connaissaient, ils l'avaient lu et ils estimaient que, surtout pour Cicéron, le traduire, c'était le mettre à disposition de contemporains qui ne lisaient pas aussi bien, qui n'étaient pas bilingues comme lui. Mais Varron était de toute façon bilingue lui aussi. Et puis on voit, même chez des poètes, même chez Ovid, cette pensée, cette croyance d'accéder à l'immortalité par l'écrit. Alors là, ce n'est plus par la politique, c'est par l'activité intellectuelle. Mmh. Ovid dit à la fin de ses métamorphoses, je vais peut-être accéder, dit-il à Auguste en plus, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas devenu son copain. Je vais peut-être accéder plus haut que toi quand je serai bien. Et effectivement, ces métamorphoses, en dépit de son exil et tout ça, sont parvenus jusqu'à nous. On a quelque chose d'un petit peu similaire à la Théotte aussi, à l'époque de Cicéron avec Vitruve, qu'on considère uniquement comme un architecte, alors que l'importance de l'harmonie numérique, c'est quand même pythagoricien, et que lui aussi, il recherche une immortalité par l'écrit. Et c'est ce qu'il a obtenu d'ailleurs, mais ça, cette immortalité par une activité qui met l'homme au-dessus de ses contemporains, qui fait. On n'en est plus à l'épuration de l'âme en fait, là. On gagne l'immortalité par l'écrit, par un exercice intellectuel qui fait de l'auteur en fait un homme supérieur à ses contemporains. Mmh. Et d'ailleurs, je ne sais pas sur quel livre va parler l'orateur du prochain séminaire, sur quel livre de Marcianus Capella, mais la montée de philologie pour atteindre l'Olympe et pouvoir se marier avec Mercure, c'est éminemment crypté. Je pense que là, pour le coup, il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'influence de cette littérature kaldaïque et de cette gnostique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais c'est vraiment... Et au livre 7 des noces de philologie et Mercure, justement, quand astronomie arrive, elle se trouve au milieu d'intellectuels qui se trouvent dans les astres, justement, dans la Voie lactée. Donc, on retrouve au début du livre 7 la mise en scène, mais dans une autre orientation, on va dire, que celle qu'avait imaginée Cicéron dans le songe de Scipion. Mm-hmm. Des hommes qui ont mérité l'immortalité à l'époque de Cicéron par leur action politique,
plus tard par leur supériorité intellectuelle. D'autres questions? Any question? Observation ou doute? C'est vrai que ça nous décale aussi là, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir à côté par exemple Virgile, Platon. C'est vrai, en latin, dans nos ombres encore plus Virgile. Pour cause, en fait. Oui, on voit bien, je pense, la frontière aussi oui. culturelle entre un monde grec qui reste vraiment grec et un monde latin qui s'ouvre au monde grec. En fait. C'est par traduction, peut-être. Non, c'est pas voilà. Plus, je pense que c'est pas tout à fait. C'est l'adaptation, pas nécessairement par traduction, parce que. Jusqu'à Boès, le Timée. Mais c'est en fait un héritage multiple que les Romains exploitent dans des textes littéraires. Mais c'est de la philosophie quand même. Ce sont des idées philosophiques, on va dire. C'est peut-être pas de la philosophie telle que. L'écrivait Plotin ou Porphyre, mais voilà. C'est-à-dire que, et à Rome, c'est vrai que, en fait, on peut dire que tout est littérature. Même les textes philosophiques de Cicéron, qui sont d'ailleurs des sortes d'imitation des dialogues platoniciens, puisque c'est sous forme dialogique. C'est quand même de la littérature, il y a quand même de la, on sent la rhétorique aussi sous la phrase, quelle qu'en soit la complexité. C'est pas du tout la même approche, mais il y a une éducation et une formation à la philosophie qui apparaît dans les textes et même les plus improbables. Alors Fabonius, c'est pas celui qui était qui maîtrisait les plus les arts de la philosophie, mais en fait, il a essayé. Et justement, c'est intéressant de voir comment quelqu'un qui ne maîtrise pas la philosophie en parle. Et utilise des concepts de philosophie. Ouais. C'est intéressant de voir ça aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Maybe we can stop now. So thank you very much for your presence. And we see you again for the next meeting, the 7th, on April the 7th, and after on April 14th. So see you soon. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Bye.